Voilà, bonjour à tous. On se retrouve donc pour cette deuxième capsule sur cette thématique qui est libre et responsable de nos choix. Donc, pour rappel, ces petites capsules ne sont que des brides de réflexion, des petits bouts d'impulsion pour pouvoir vous accompagner, nous accompagner dans notre vie pratique, notre vie au quotidien, enfin notre vie spirituelle au quotidien. Et donc on avait vu pour cette thématique un premier point, début de réflexion sur ce premier point qui était la peur de faire un mauvais choix. Alors, donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette première capsule, de stopper cette capsule peut-être et d'aller voir cette première vidéo qui ne dure moins de 20 minutes et qui introduit en tout cas cette réflexion que nous avons commencé ensemble. Alors, une question qui me semble intéressante d'intégrer dans notre réflexion, c'est la suivante. C'est au fond, qu'attendons-nous de Dieu? Et plus précisément, qu'attendons-nous du Saint-Esprit? Je pense qu'il est bon à un moment donné de se dire, mais au fond, qu'est-ce que moi j'attends de Dieu et qu'est-ce que j'attends du Saint-Esprit? Et pourquoi je pose cette question? Parce que je me dis, au fond, si j'attends que Dieu fasse, il choisisse tout à ma place, je risque d'être déçu. Si j'attends que le Saint-Esprit prenne toutes les décisions à ma place, je risque d'être déçu et vachement déçu. Parce que, quelque part, c'est attendre peut-être l'Esprit Saint, s'attendre de lui qu'il remplisse une fonction qui n'est pas la sienne. La parole nous dit que l'Esprit est là pour nous consoler, qu'il est là pour nous guider, qu'il est là pour qu'il agit en nous, qu'il agit avec nous. Qu'il nous enseigne, qu'il nous aidera à clarifier, qu'il nous donnera du discernement, qu'il va nous donner des dons, des choses particulières. Mais à aucun moment, la parole nous dit que Dieu fera des choix à notre place. Et à aucun moment, il nous est dit que le Saint-Esprit choisira tout à notre place. J'étais dans ma douche et il m'est arrivé, j'étais en train de réfléchir, une phrase est venue comme ça, il m'a dit, tu sais, Tonino, et quand bien même le Saint-Esprit est une personne, jamais, au grand jamais, il choisira à ta place. Au grand jamais, il se substituera pour prendre des décisions à ta place. Surtout quand il s'agira de faire un choix personnel. Jamais. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de contrôle. Le Saint-Esprit vient éclairer notre conscience. Mais à aucun moment, il va prendre contrôle sur nos vies. Trop souvent, on confond le fait de recevoir un conseil, d'être éclairé, d'être inspiré, avec quelque chose qui vient nous contrôler. Je voudrais une petite illustration. C'est un peu comme un médecin. Quelque part, quand je vais chez le médecin, quelle est la responsabilité du médecin? Le médecin lui fait une prescription. Sa responsabilité, c'est quoi? C'est de diagnostiquer mon problème. C'est de prescrire un traitement. Et ce traitement qui est censé être adapté au bien-être, ou en tout cas à la guérison de mon problème. Ça, c'est la responsabilité du médecin. Mais il est de ma responsabilité, il est de notre responsabilité de choisir d'aller avec cette prescription à la pharmacie ou pas. Soit vous décidez de ne pas y aller, ou soit vous décidez de ne pas y aller. Mais ce n'est pas de la responsabilité du médecin. Lui, sa responsabilité, c'était de vous diagnostiquer, c'était de vous prescrire quelque chose. Eh bien, le médecin de nos âmes, c'est un peu ça. Il nous prescrit, il nous conseille. Il y a des ordonnances, mais il est notre responsabilité à nous de prendre des décisions, de suivre ou ne pas suivre des prescriptions. Mais à aucun moment nous devons attendre que Dieu choisisse à notre place. Qu'il nous conseille, oui. Qu'il nous éclaire, oui. Qu'il nous donne des possibilités de directive, oui. Qu'il nous approuve, qu'il donne sa faveur, peut-être, oui. Mais jamais, jamais choisir à notre place. Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu ne contrôle rien. Je ne suis pas en train de dire, ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'agit en rien, mais je suis simplement en train de dire, en ce qui concerne les choix pour nos vies futures et pour les choix de nos vies de tous les jours, c'est notre responsabilité de faire des choix, de prendre des décisions. Mais il est là pour nos décisions, il est là pour être à côté de nous, il est là pour nous aider. Et nous avons été recréés spirituellement pour nous qui sommes nés de nouveau, non pas pour être des automates, mais pour devenir des créatures conscientes et responsables de nos engagements et assumant volontairement cette responsabilité. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des personnes qui nous soumettons. L'adoration, c'est quoi au fond? C'est une soumission volontaire. C'est une soumission consciente.
C'est pas une soumission de contrainte, c'est pas de l'adoration de la contrainte. À partir du moment où vous obéissez par peur, ce n'est pas de l'adoration. Je m'excuse, mais c'est pas de l'adoration. Alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. L'adoration, c'est une soumission volontaire. C'est un choix voulu. C'est une volonté voulue, avec conscience. Et Dieu... Ces deux principes sont deux valeurs fondamentales qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Dieu a créé l'homme responsable et libre de ses choix. Et il n'a pas créé... Le Saint-Esprit n'est pas responsable de nos choix personnels pour nos vies. C'est nous qui sommes responsables. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable de ma vie. Ce n'est pas mon voisin qui est responsable de mes choix. C'est pas... Non, nous sommes responsables. Et parallèlement à ça, je dirais aussi que personne n'a le droit de vous imposer des choix dans votre vie. Personne ne peut vous imposer. C'est un esprit de contrôle qui s'impose. Quand quelqu'un vous oblige à faire tel ou tel choix, ce ne peut pas être Dieu, parce que Dieu a laissé l'homme libre de ses choix. Après, il y a des conséquences à nos choix, ça c'est sûr. Après, comme nous avons vu la première fois, il y a cette liberté de faire demi-tour dans nos mauvais choix. Mais Dieu ne s'impose pas, le Saint-Esprit ne s'impose pas, il ne s'impose pas en nous. Et l'homme confond très souvent, et souvent nous avons, même les leaders ont l'impression qu'ils agissent par l'esprit quand ils ordonnent, quand ils dirigent, quand ils obligent les gens à faire telle ou telle chose. Non, même si vous avez raison, vous n'avez aucun droit d'obliger quelqu'un à faire tel ou tel choix pour sa propre vie personnelle. Nous n'avons aucun droit sur la vie et les choix de l'autre. Dieu seul a des droits, lui seul est le créateur. Et lui a donné cette liberté, a respecté cette liberté. Bien sûr, cette liberté est une grosse responsabilité parce que ça a des conséquences pour nous-mêmes, ça a des conséquences pour ceux qui nous entourent. Et donc, il est important de prendre ses responsabilités et ses choix à cœur et avec réflexion. La Genèse nous enseigne donc qu'il y avait un choix fondamental pour l'homme. Il avait deux possibilités, soit garder, construire, avoir foi et obéir à Dieu par une soumission volontaire, ou de rejeter et de rester incrédule à ce que Dieu lui proposait et de lui désobéir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça, la rébellion. Et aujourd'hui encore, on a parfois l'impression que certains leaders passent même au-dessus de Dieu, puisque Dieu respecte l'autre. Dieu a respecté l'être humain en lui laissant la capacité de prendre et de faire un choix. Alors, aujourd'hui encore, je pense que dans nos vies personnelles, l'être humain a toujours la responsabilité de prendre des choix quotidiens, de ses décisions pour le bien de sa vie personnelle, mais aussi de l'humanité, pour nous et pour les autres. Voilà, cette responsabilité, elle est là, elle existe, et Dieu ne fera pas tous les choix à notre place, parce que c'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes responsables. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors voilà, je voudrais terminer comme ça. Voyons comme une grâce le fait que Dieu nous a accordé cette liberté, cette faveur de pouvoir faire des choix. En même temps, nous avons une responsabilité, ce qui fait de nous des êtres humains, ce qui fait de nous des hommes créés à l'image aussi de Dieu. Nous verrons peut-être ça plus tard. Et nous verrons dans la prochaine capsule une autre dimension qui me semble importante, c'est que avec cette liberté, avec cette responsabilité, Dieu ne nous laisse pas seuls. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne réflexion et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.